Bonjour, mes chers élèves de deuxième année primaire. C'est bon, hein? Je vous propose votre cahier préféré, cahier d'activité, l'arbre mot. On va faire aujourd'hui quelques exercices, quelques activités. On va les corriger. Voilà. Dans quelques instants. Alors, je vais vous présenter quelques activités de cette leçon de grammaire, les accords du verbe avec son sujet. Première partie. Le verbe s'accorde avec le sujet. Certaines terminaisons se retrouvent souvent associées à un sujet. Par exemple, la terminaison S avec le pronom personnel tu. Tu joues avec S, tu dors avec S. La terminaison ONS, on, avec le pronom personnel sujet, nous, on dit nous avons, nous marchons, nous prenons. C'est ce qu'on appelle le verbe s'accorde avec le sujet. Et la terminaison EZ, et, avec le pronom personnel sujet, vous. Vous roulez, vous voyez, vous pouvez. Alors le verbe s'accorde avec le sujet. Absolument. Alors, on passe maintenant aux activités. Correction complète les phrases avec le sujet qui convient. Prenez s'il vous plaît page 43. Cahier d'activité. Complète les phrases avec le sujet qui convient. Tu dois absolument surveiller ton poids. Nous faisons de la gymnastique tous les jours. Tu changes tes lunettes. Tu. Vous prenez régulièrement vos médicaments. Nous ne mangeons pas trop de sucreries. Alors, tu dois absolument surveiller ton poids. Nous faisons de la gymnastique tous les jours. Tu changes tes lunettes. Vous prenez régulièrement vos médicaments. Nous ne mangeons pas trop de sucreries. Alors, on dit tu dois. Nous faisons, tu changes. Vous prenez, nous ne mangeons pas. Alors, deuxième activité, écris les phrases en séparant bien tous les mots. On entoure les verbes en rouge et le sujet en bleu. Alors, écris les phrases. On dit tous les jours. Tu regardes la télévision. Oui, tous les jours. Voilà, avec S. Tu regardes avec S ou S. La télévision. Alors le verbe ici c'est regarde et le sujet c'est tu regardes. Nous achetons nos légumes au marché. Nous achetons nos légumes au marché. Le verbe c'est achetons et le sujet c'est nous. Fais-tu attention à ton nourriture? Ta nourriture, voilà. Fais-tu attention à ta nourriture? Fais-tu attention à ta nourriture? Le verbe c'est fait et le sujet c'est tu. Vous aimez la marche à pied? Vous aimez la marche à pied? Vous aimez la marche à pied? Vous aimez avec le Z. Le verbe c'est aimer et vous c'est le sujet. Conjugue chaque verbe au présent. Téléphoner, parler, danser. Voilà, je vous aide un petit peu. On dit tu téléphones avec ES, vous parlez avec EZ, nous dansons avec ONS. Voilà, c'est bien. Mais je vous recommande de faire les exercices d'abord avant d'entendre, avant de suivre bien sûr cette vidéo de correction. Vous criez avec IEZ, vous criez I, vous criez IEZ. Nous tombons, tu regardes avec ES. Et à la fin, complète avec le verbe de ton choix. Alors, l'histoire de notre pays en classe. Nous, voilà, nous étudions l'histoire de notre pays en classe. Vous, des pâtisseries très sucrées. Vous achetez des pâtisseries très sucrées. Ton cartable à la maison. Tu laisses ton cartable à la maison.
nous le tableau avant de sortir. Nous effaçons le tableau avant de sortir. Alors, nous étudions l'histoire de notre pays en classe. Vous achetez des passe-secrets très secrets. Tu laisses ou tu oublies. Voilà, tu oublies avec IES, IES. Tu oublies ton cartable à la maison, tu laisses ton cartable à la maison. Et nous effaçons le tableau avant de sortir. Nous nettoyons le tableau avant de sortir. Nous effaçons le tableau avant de sortir. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'accord. Je viens de dire que cette leçon est en rapport avec la conjugaison. Les accords du verbe avec son sujet, première partie. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Vous pouvez revoir plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la compréhension totale. Et aussi, vous pouvez voir aussi, il y a une autre vidéo qui explique cette leçon de la page 72 du livre L'art romain. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.